kwata nandi da fuktu bus na wa vyoka ye awa vyoka na wa kuise ye what va terminer nandi owe ye yifu mutetwa ye yita kolina ye abana nyaz bani atrouve oh lelo lelo eh letu mona ya lelo lelo eh letu mona lelo lelo eh letu sabe ya lelo lelo eh letu mona lelo lelo. Yamfumeisi mutamutu Denisa Sungeso Melagi sapeku suka ya lukutakano muzula tuba ya kianga kilumbo ya bubu wapi mikembo kuzaku banana ukuma yamfumeisi mutamutu Denisa Sungeso na manima lananaka binzonzi T'attendre. Ta président, Ofumuncheto, monsieur le premier ministre chef du gouvernement, Benebol Kakok, Bongibo Makan. Titi Yon, tu couches Fonoukou. Hier pendant que vous étiez en Goyo, le maire de l'arrondissement numéro 6, j'ai dit, je profite de ce pour vous dire merci. Parce que j'ai dit à la maire qu'il n'y aura pas de rituel. Nous faisons notre rituel, pas devant le chef de l'État, mais dans la nuit. C'est ce qui a été fait. Avant que vous n'arriviez, monsieur le président de la République, il y a eu les albatros, c'était la fête des oiseaux. Mais que vous êtes venu par hélico, on vous attendait. Aujourd'hui, j'étais sûr, président, que si on ne fait pas le rituel, c'est que vous voyez, regardez, vous êtes le champion de la modernisation au niveau de notre pays. Et si on ne respecte pas la tradition, si l'imam s'incline, on va regretter tout ça là. Juste comme vous avez dit, quand on manque le vaccin, le pire, ce qui arrive, c'est plus dramatique. On dépense beaucoup d'argent. Pour le rituel, nous avons sauvegardé l'édifice qui se dresse devant nous. Vous êtes l'homme des masses. Vous êtes les dirigeants populaires, la porte de paix, concorde nationale. Vous êtes le grand bâtisseur. Vous êtes le sauveur. Faites votre travail, président. Papa, on parlera de vous à cause de ce que vous êtes en train de faire. Pas parce que M. Sassou est président. Non, à cause de ce que le président est en train de faire. Ndiaouyi, c'est beaucoup tombé. Tout me croit, mais Kagumboussak. Je suis ministre, mais d'abord, Kagumboussak. Et Abana Boubou, t'as qu'un cabissan, Bibiane. T'as qu'un doux le sang. T'as qu'un nikouma fouat, Tibitin Kambis. Je sollicite pour terminer avant le rituel. Excellence, monsieur le président. Tinkambisi a dit votre tendre épouse, c'est sa fille. Et qu'elle veut à la Noumbi, donc recevoir sa fille, Tinkambisi. Je profite pour vous le dire parce que nous sommes venus à Brazzaville, la situation était difficile. Voilà, et ça, on reviendra sur ça. Et Abana Boubou, et t'as fait hier, you should come, t'as dit l'aile, non, t'as comment, boutou comme comment, ma bugunio bas, bugunio quoi. Non, dis-donc, ne vois vieux que hier. Ah, vois vieux qu'on ne voit qu'ici hier. Votre bataille est maintenant en Dieu, hier. Il faut mouter toi hier. Il est à colline hier. Ah, ben, on y a un souvenir à trouver.
Oh, lele lele, eh let mona ya lele lele, eh let mona lele lele, eh let uzabe ya lele lele, eh let mona lele lele. Abana bubu, abana buswa, abana bisi, matin kambise ye, watonde ye, chipila yo ne bagatukuna, kazak ne nanga, kazak ne melonda, vwa, nafo unkusilani wa fungu gabo ye, wakunkwetu nani, kamelonde ye, na bunu kabgumon chisimansa na ikunyongo kwata ya kamba mame ye katate ye
Tangufuana, il prête un yo-yo, il mine bouton course, na, mais ça ne vient tout seul maintenant. Bouton cambrouli le gamin, ou bien si vous savez, on a quoi? Excellence, monsieur le président de la République, moi, je suis un chèque, je suis un chèque, un chèque, Bob. Wally Wall. Excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, les ministres. Jean-Jacques Bouya, merci. Tu veux le voir tout bas, Betakou, Bissal Mougouvang. Yendelane Bob, travaillez avec le chef. Chacun de vous a une mission auprès de M. Denis Sassou Nguesso. Celui qui ne veut pas accomplir sa mission, eh bien, il le regrettera. Les man ont dit 2026. C'est quoi 2026? Monsieur le Président, tout est parti d'ici quand nous avons dit il n'y a que vous. Et ça s'est réalisé. Nous avons regretté une seule fois. Le reste, on fait avec vous, et il n'y a que Dieu et les man qui seront autour de vous, autour de tout ce qu'on voit en vous, pour que vous arriviez là où il y a la volonté de Dieu, pas des hommes. Et Abana Boubou, Yob Yob Mounouat. Sachila, Yob 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 Yob. Monico, vous êtes des membres du parti. Non, quoi, Mbobe Sachila. Bouélan. Ah, soit. Le député maire avait dit, non, que Pointe Noire va retrouver ses noms de noblesse. Ponto la belle. Taja Fonso Kando. Ada. Luc. Bête bâton. Ah, vous. En tout cas, vous venez de suivre là le rituel fait par les sages du Kilo et de Pointe-Noire qui ont invoqué les manes, qui ont béni ici ce lieu pour que le travail se fasse dans la paix, dans la quiétude. Et les sages ont même béni le président de la République. Ils l'ont encouragé à travailler. Ils ont même demandé à tous ceux qui travaillent aux côtés du président que chacun mouille le maillot. Comme... Là, l'enjeu de cette cérémonie qui a lieu ici, dans l'arrondissement Lumumba. Et d'un moment à l'autre, donc, vous allez vivre ces instants. Ce sont de grandes réalisations. L'immeuble se dresse majestueusement tel que... Vous le percevez à travers votre écran, en tout cas vous allez vous rendre compte. C'est vraiment des travaux titanesques qui ont été réalisés ici. Et déjà, les quelques notes que j'ai parcourues nous disent que cet immeuble est doté d'une salle de conférence qui est très spacieuse, en tout cas qui peut accueillir des conférences internationales avec une capacité de 1000 places. En tout cas, vous en aurez avec la fiche technique qui sera présentée par le ministre Jean-Jacques Bouya, des infrastructures, de l'aménagement du territoire. Voilà ce que je peux noter rapidement de ce port autonome de Pointe-Noire qui aujourd'hui va être doté d'un siège digne de ce nom par rapport au rôle de transit qu'il joue au niveau de l'Afrique centrale. Alors, je ne suis pas seul, comme toujours, toute la télévision est en place. Nous sommes coordonnés par le conseiller Sanga, c'est le directeur général de la télédiffusion du Congo qui nous permet de nous mettre en relais. Et nous sommes aussi sous la supervision donc, du directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondélé. Avec moi, madame la directrice de la production, Neve Kessam Delingolo, monsieur le directeur technique Brunel Titato. Madame la directrice de la production Aline France et Tokabika. En tout cas, du côté technique, tous les techniciens, les héros dans l'ombre, on les appelle, sont à pied d'œuvre. Nous avons Fefenga Kenny, Télé Congo chez vous. C'est lui, en tout cas, qui réalise cette émission.
Et puis nous avons Sidonie Clarisse Bouya, cette dame également qui est réalisatrice à Télé Congo. Voilà, le décor est planté. Nous redonnons l'antenne, nous redonnons la parole. Nous donnons la parole à nos amis parce que je ne serai pas seule pour ce direct. Je serai avec Brice Aristide Benza, il est coordonnateur des actualités, avec Aurélien Bayari Kama, chef de service Lingala Télé Congo, avec Edgar Mazila du service Kituba, et avec Ambroise Ngoteni Onzenzele, journaliste politique, chef de service politique à la télévision nationale congolaise. Brice Aristide Benza. Merci bien Bibiane et toi. L'ambiance que nous avons vécue hier à l'inauguration de l'hôpital général de Patra s'est déportée aujourd'hui sur la place du port autonome de Pointe-Noire où le président de la République va procéder ce matin, dans peu de temps, à l'inauguration du nouveau siège administratif de cette structure. Vous avez dit dans votre introduction, le port autonome de Pointe-Noire joue le rôle de porte-océan pour l'Afrique centrale. Un rôle historique déjà qu'il jouait à l'époque de l'Afrique équatoriale française sous la colonisation, étant donné que c'est par le port autonome de Pointe-Noire que les marchandises pouvaient quitter l'Europe et entrer en Afrique équatoriale française. Et c'est également par le port autonome de Pointe-Noire que les ressources, les matières premières, comme on les appelle, pouvaient sortir de l'Afrique équatoriale française pour aller à l'extérieur. Et aujourd'hui, plusieurs années après, le port autonome de Pointe-Noire a développé de l'activité. Le Congo s'est modernisé. Et aujourd'hui, le port autonome de Pointe-Noire a besoin d'un siège moderne à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de ses activités. Et voilà pourquoi depuis décembre 2011, le président de la République, toujours dans sa vision futuriste, a posé la première pierre pour la construction du nouveau siège du port autonome de Pointe-Noire qui va être inauguré dans très peu de temps. En tout cas, tout le monde est déjà présent, comme vous le constatez. C'est une structure construite selon les règles de du continent, surtout en Afrique, au sud du Sahara, Aurélien Ikama. Yasolo, Wuta, Lelo Mikolomi Bale, Kumwa Ekolo Congo, Azwami Awa, na Pointe Noire, Engumba Yama. Février 2020, c'est-à-dire que la réorganisation du port autonome de Pointe Noire stipule que le port est chargé de gérer le domaine mobilier et immobilier du port. Le port autonome de Pointe-Noire assure la maintenance, la police, le gardiennage et l'exploitation, bien évidemment, du port. Le port autonome de Pointe-Noire étudie et réalise des travaux portuaires, assure les prestations de remorquage, de la manage. La patra, Moloulou Kitokobe, de Lelona, Bangongase Akotanga, Denis Sassou Nguesso, Kumu wa Ekolo Congo, Akope Sanzela, Yabo Saleli, Nganda Yasikaete siège, Yali Bongo, Linene, Lia Pointe Noire, Ndako Yamikilizomi, Namitano, Nganda ete siège, Yali Bongo, Linene, Lia Pointe Noire. Et Tongi Samina Mokulu à moi et Balembu, na balabala enene te boulevard Luango. Ndako yango ezalina bolai bo metele tukumotoba na mitano et pekasi na ndako yango ezalina babilo et Tongi Samina lolenge ya kitoko be babilo yango ekozala kaka pona basali bali bongo linene le Pointe Noire te ma compagnie est sous pe koki ko loue babilo yango ndako yango ezali pe ndako. Ezali pena ndako ya makita oyo ezali na bivandeli kokoka kama motoba mosolo mwa botongi ndako yango mouti na sanduku ya leta me ndako yango ekosali sapenza basali bali bongo linene la Pointe Noire baye bakobanda banda mokolo mwa lelo kosala na bisika bilongo bani pambate
lelo oyo pointe noire libongo lya pointe noire ezali libongo moko ya motuya okati ya Afrika mon bimba pe esengeli pe basa jamais assez. Les officiels sont là, le premier ministre Anatole le Colin Makoso est aussi arrivé en ce lieu. Nous attendons l'arrivée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour que nous puissions suivre les discours qui sont programmés ici. Aristide Benza va nous faire le plaisir de rappeler à caractère économique, parce que autour du port autonome de Pointe-Noire, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'activités. En tout cas, Brice Aristide Beza, vous allez nous faire le plaisir de nous rappeler les personnalités qui vont prendre la parole. C'est Coline Makoso en image. Mikembo Yamfungokolo, y a l'hôpital y a Patra. Melanda Beto Kilombia Bubiana Mandanda, Yakimfuka, Yamabina, Ajane Musika Benikina Kulanda, Awananganda, Yadibongo, Yapoit Noir, Yamaza Yamungwa, Wabiki Sika, Mfume Insimbutamoto de Nissa Sungi Sukevana Kintoa de Nabit. Messieurs, nous accueillons Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame. Voilà, c'est le président de la République et madame, voilà, qui sont arrivés ici au siège du port autonome de Pointe-Noire pour acter cette inauguration. Et cela se passe dans une ambiance bon enfant. Nous voyons comment l'orchestre Adjani, basé à Pointe-Noire, mais constitué des originaires de la Bonza et du Niari, cet orchestre de Puisière est en train d'agrémenter en tout cas ces cérémonies d'inauguration. Nous voyons le président de la République et madame, et à travers les banderoles, nous pouvons lire de la parole aux actions concrètes. Bon séjour de travail, Excellence, Monsieur le Président de la République et madame, la modernisation du port autonome de Pointe-Noire sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso. Et il faut dire que les populations de Pointe-Noire ont accueilli chaleureusement le couple présidentiel. Ils l'ont fait manifester hier à l'occasion de l'inauguration de l'hôpital général de Ngoyo et même à l'arrivée du couple présidentiel. Avec elle, dans cette dynamique, il y a aussi des associations, en tout cas qui ne sont pas restées en marge. Il y a aussi des partis politiques. Voilà, mais après, nous pourrons vous donner voilà, toute la température qui prévaut ici à Pointe-Noire. Du siège administratif du port autonome de Pointe-Noire. Voilà, en image, vous avez le président de la République qui jette un regard sur... Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République du Congo, monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, monsieur le directeur général de l'Agence française de développement, monsieur le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, distingués invités, mesdames, messieurs, nous vous prions de suivre le mot de bienvenue de monsieur l'administrateur de l'arrondissement 1, Lumumba. Monsieur Kik Ngoma, s'il vous plaît.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Madame la Première Dame, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets du département de Pointe-Noire et du Quilou, Monsieur le Président du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le Président du bureau exécutif du Conseil départemental du Quilou, mon général, commandant de zone militaire de défense numéro 1, Messieurs les commandants de la force publique en vos rangs, grades et qualités, Monsieur le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Madame et Messieurs les administrateurs maires des arrondissements de Pointe-Noire, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres de corps constitués, nationaux, départementaux et municipaux, distingués invités, en vos rangs et prérogatives, toute préséance respectée, Mesdames et Messieurs, du port autonome de Pointe-Noire, permettre l'amélioration non seulement des conditions de travail des cadres et agents du port, mais et surtout la qualité des services au profit de la communauté portuaire et des populations. Bon séjour de travail au couple présidentiel et aux éminents membres de la délégation qui vous accompagne. Vive la République, vive le Congo, vive la ville de Pointe-Noire, vive son Excellence Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie. A été, il faut dire, très captivant avec son mot de bienvenue. Et il félicite le président pour son œuvre grandiose réalisée. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme nous venons de l'entendre, le bâtiment qui se dresse devant nous fait la fierté de la ville de Pointe-Noire. Sa construction réjouit autant le management du port autonome de Pointe-Noire et pour cela, voici le mot de circonstance de M. Séraphin Bala, directeur général de ce port autonome de Pointe-Noire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Monsieur le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le conseiller du chef de l'État,
président du conseil d'administration du port autonome de Pointe-Noire, mesdames et messieurs les membres du cabinet du président de la République, mesdames et messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, monsieur le préfet du département du Kouilou, monsieur le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, monsieur le président du conseil départemental du Kouilou, mon général, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, messieurs les administrateurs du port autonome de Pointe-Noire, messieurs les directeurs généraux des administrations et entreprises membres de la communauté portuaire, monsieur le directeur général de la société China Engineering Corporation, monsieur le directeur général de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique, vénérable sage du Kouilou, de Pointe-Noire et dignitaire de Boilly, distingués invités, mesdames, messieurs, à savoir les cadres, agents de maîtrise et ceux d'exécution du port autonome de Pointe-Noire, qui de surcroît vont désormais bénéficier d'un cadre de travail plus incitatif. L'engagement est donc pris, monsieur le président de la République, de redoubler d'ardeur et de faire davantage afin que notre port renforce ses atouts pour plus de compétitivité et plus d'attractivité. Aussi, voudrais-je pour terminer vous traduire de la manière la plus expressive possible les sentiments des travailleurs du port autonome de Pointe-Noire qui considèrent ce bijou comme un grand privilège qui leur est fait et qu'ils apprécient à sa juste valeur. Ils me chargent, en cet instant, monsieur le président, de vous exprimer en ce moment mémorable leur sentiment de profond respect et vous renouvellent l'expression de leur infinie gratitude pour votre sollicitude jamais éprouvée et vous font le serment de préserver ce précieux joyau si chèrement acquis. Ils ont l'intime conviction que cette nouvelle page de l'histoire du port autonome de Pointe-Noire que vous avez voulu une fois de plus imprimer aujourd'hui d'un sceau particulier ne sera pas la dernière et qu'ils seront toujours comptés sur votre soutien indéfectible, notamment dans la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan stratégique 2022-2026. Enfin, je voudrais, en ce début d'année 2022, vous souhaiter à vous, monsieur le président de la République, ainsi qu'à votre très chère et tendre épouse, madame Antoinette Sassou Nguesso, mes voeux les meilleurs de santé, de paix et de réussite. Réussite surtout pour vous, monsieur le président de la République, dans la lourde tâche, dans la lourde et noble tâche que, pour laquelle le peuple congolais vous a renouvelé sa confiance en mars 2021. Excellences, monsieur le président de la République, très distinguée madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces vœux au couple présidentiel que je termine mon propos et vous remercie de votre très aimable attention. Voilà, nous venons de suivre M. Séraphin Balam, DG du port autonome de Pointe-Noire, un grand interlocuteur, on peut se le dire, un grand orateur, un très convaincant dans son message. Il nous a fait état de son ambition de faire évoluer le port autonome de Pointe-Noire en se basant sur un management de qualité. Évidemment, tout ceci, c'est grâce au personnel, un personnel qui l'a félicité. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, chers invités, Mesdames, Messieurs, à présent, nous accueillons Monsieur Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien Routier, pour la présentation technique des travaux réalisés sur le site qui se dresse devant nous.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le maire de l'arrondissement 1 Lumumba, Monsieur le Directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Monsieur le Directeur général de la société China Geo Engineering Corporation International, Monsieur le représentant de l'ingénieur conseil Bureau Veritas, distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans l'effervescence des fêtes de fin d'année 2011 et de nouvel an 2012, nous nous séparions ici même le 23 décembre 2011, jour du lancement des travaux du siège du port autonome de Pointe-Noire, avec la ferme assurance de nous retrouver 5 ans plus tard. Dans l'occurrence d'alors, nous présagions qu'avec la construction du port, du siège du port, la ville de Pointe-Noire s'en identifierait aisément et que désormais la légende de la ville s'écrirait autour de l'édifice et que la diversification autour des activités portuaires prenne réellement corps. Comme chacun le constate, cette prémonition d'hier devient une réalité aujourd'hui. Et la résistance des voiles qui, sollicitées par les vents dominants pour en impulser une énergie cinétique, adoptant les formes curvilignes, ont inspiré la conception du corpus de cette tour qui en rappelle les équilibres. Son élégance, avec ses formes, tantôt sveltes, tantôt adoucies, tantôt tranchante, et cette hauteur importante que n'atteignent que les mâts des grands bâtiments rappelle les techniques et règles de l'aérodynamique appliquées à la construction navale. Ôté de son enveloppe de murs rideaux en verre azuré, ce bâtiment dévoile une carcasse de pièces en béton armé d'une intelligence rationnellement agencée pour en garantir la stabilité, aussi bien verticale qu'horizontale, avec une masse totale supportée par les fondations de 237 pieux de 600 et 800 mm de diamètre, forées et ancrées sur une profondeur maximale de 31 mètres en dessous du niveau du terrain naturel. Ces pieux ont été, disons, récépés sur une profondeur suffisante pour aménager un sous-sol de 790 mètres carrés comportant les locaux techniques pour courants faibles et forts, ainsi que les espaces d'accueil, le tout surmonté de 15 étages destinés principalement aux espaces à usage de bureaux. Tout ceci offre une superficie bâtie de 15 787 mètres carrés. Pour ceux d'entre nous qui le visiteront, il suffira de franchir la porte principale d'entrée automatique pour découvrir, en aménagement intérieur, au rez-de-chaussée, un hall de 340 mètres carrés
avec un magnifique escalier hélicoïdal qui dessert deux niveaux de mezzanine et un lustre central géant, assemblage parfait de flûtes, de verres, comme pour célébrer l'éternité du plus haut point de la ville de Pointe-Noire par sa pointe. Les grands leaders, les pouvoirs des vertus, je cite, rendre l'environnement de travail agréable, s'inquiéter des conditions de travail, penser à la pénibilité, sont aussi des leviers pour motiver et mobiliser les cadres. Fin de citation. Mesdames et messieurs, j'ai dit, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, je disais que nous venons de suivre donc la fiche technique présentée Monsieur par le ministre Jean-Baptiste Tshikaya. Vous êtes le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Qu'il vous plaise à présent de prendre la parole pour votre discours en cette manifestation solennelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguée Première Dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les parlementaires, excusez-moi, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Messieurs les préfets des départements de Pointe-Noire et du Cuilou, Messieurs les présidents des conseils départementaux, Mon général, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, autorités civiles et militaires, toutes préséances respectées, Monsieur le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Mesdames et Messieurs les notables, sages et dignitaires de Pointe-Noire et du Cuilou, chers collaborateurs du port autonome de Pointe-Noire, distingués invités, mesdames et messieurs, en cette journée du 22 janvier 2022, consacrée à l'inauguration du siège administratif du port autonome de Pointe-Noire, j'aimerais vous souhaiter
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à votre épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue en ces lieux de haute mémoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 23 décembre 2011, quasiment 10 ans jour pour jour, vous posiez la première pierre de l'édifice qui se dresse devant nous. Ce chef-d'œuvre est l'une des manifestations de la vision que vous avez pour la République du Congo, et en particulier pour ce fleuron de notre économie nationale qu'est le port autonome de Pointe-Noire. En effet, conformément à votre vision, vous avez accompagné le port autonome de Pointe-Noire dans la réalisation de ses ambitieux projets, de sorte à ce qu'il devienne l'un des principaux pôles de développement économique, géostratégique et un puissant moteur d'intégration sous-régionale. Par conséquent, la politique de modernisation des infrastructures, enclenchée depuis quelques années sous votre impulsion, nous permet de toucher du doigt les différentes avancées. Aujourd'hui, se dresse devant nous la plus haute tour de la ville de Pointe-Noire. C'est un édifice dont les caractéristiques architecturales viennent d'être largement présentées par mon collègue, le ministre en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier en sa qualité de maître d'ouvrage. C'est pourquoi, tout en vous réitérant notre infinie gratitude, nous devons nous rappeler les exigences définies dans votre projet de société, très largement plébiscité par le peuple congolais comme favorable au développement. Je cite la rigueur, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Exigence rappelée au gouvernement par M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Ces valeurs, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sont une constance et constituent la pierre angulaire de votre vision et guident l'action du gouvernement, permettant ainsi la mise en œuvre sans atermoiement de votre projet de société décliné dans le Plan national de développement 2022-2026. Ce Plan national de développement, porté par le gouvernement, doit être soutenu dans son opérationnalisation par une majorité plurielle et soudée qu'ensemble, nous avons le devoir et la responsabilité de consolider. En vous remerciant pour votre aimable attention, distingués invités, mesdames et messieurs, et dans un souci de concision dicté par le contexte sanitaire, je rappelle que rien de tout ceci n'aurait été possible sans paix et sans stabilité. Je voudrais donc clore mon propos par cette phrase. Je cite « Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes. » Fin de citation de Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Bonne et heureuse année 2022 à tous et tous mes voeux d'excellente santé. Je vous remercie. À l'instant, vous venez de suivre le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Jean-Marc Chester Tshikaya, dans une allocution brève. Il a prononcé son discours de circonstance.
Nous invitons Son Excellence Monsieur le Président de la République à procéder à l'inauguration et à la visite du nouveau siège administratif du port autonome de Pointe-Noire. C'est Mbotamuntu Denis Sassou Nguesso que telama samuna kona kuzenga kitendi mutsindo akopesa nzila kubanda kusadila kivwandu yai ya dibungu ya nene ya Pointe Noire na masa ya Mungwa bete vanda mizebisa yao onzenzele tikuluka tujimba kananje metuba roga bukoko kele bukoko kena kisika yao peto fana kuvumina bukoko atako peto miku wana kivilive kasi mambo peto fana kusimba ya vandike lubenusu fuma isi mbuta muntu Denis Sassou Nguesso na ntwala ya kitendi ya njina kezenga samu na kufungula mielo bakeza pisa kufungula mielo kupesa nzila baba na kusadila kivuandu yai kivuandu kipesa inswa na baya inyoso kisalaka awa na kunata bisali ya bao na mutindu mosi mefuanana benwe katuka kulanda inzo mezu wa ntumusulo mutindu bakeza bisaka ya mindele na kati majiji kele ya zula kutuba tikanangeke na kusala mambu ya kutukuta keleve ya kivandaka nina ntanguina kisalu kivandaka mbute ina diambu ya ntete samu na kivinga yai kusala na kisika ya mbote mayindu ya mbote na manima samu na kuzwa bambutu peme mefuanana mfumu ya insi mbuta muntu Denis Sassou Nguesso kena kutantamana na kuzenga kitenji kijimbo ya mfungululu ya kufungua ma muzola zabisa ya kivinga yai pemutsindo bimwe katoka kulanda yao na manima ya kuzenga kitenji mfumo ya insi mbuta muntu Denis Sassou Nguesso na nkangu ya yandi kubwela mama Antoinette Sassou Nguesso kesa la kibindu na kacha inzo ya na kutana mutsindo ya kuweza kutunga ma mutsindo mekatoka kuzabisa yao to mutsindo mekatoka kulakisa yao Minisa beto keta la mao ya ntungulu ya nene ya bisalulu ya nene tata ministro Jean-Jacques Bouya yai nakati ya diskure yaani mekatuka kutadisa inzo ya mutino mitunga yao na lueka na yandi tata mayor ya komini ya ntete Lumumba yandi yani pesaka nkwizulu ya mbote nkwizulu ya mbote na banzinza yandi beto ketuba ya mutindu na fumi ya insi mbuta muntu Denis Sassou Nguesso na manima ya kuzenga ketendi yanji na kena kutambula samu na kibindu na kacha enzo yai betubanza tina manima ya kibindu pia kivanda ngunga manaka ya mfungukulu mubanza mama Bibiana Itwa mikembo nyoso kikwisa kusuka yeah. Et le clou va être donc la signature du livre d'or dans l'amphithéâtre. Et bien évidemment, la photo avec le personnel du port. Donc voilà ce qui est prévu dans le cadre de l'inauguration du siège du port autonome de Pointe-Noire. Je vous l'ai dit tantôt que les populations de Pointe-Noire sont venues massivement ici pour saluer cet élan de modernisation de la ville de Pointe-Noire. Et depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis l'arrivée du couple présidentiel ici dans la ville Océane. En tout cas, la flamme est toujours maintenue, la mobilisation est au rendez-vous. Bien évidemment,
dans le respect des gestes barrières, notamment du port de masque et du nettoyage des mains, du lavement des mains. Nous voyons comment le couple présidentiel est en train de dévoiler voilà la plaque, le dévoilement de la plaque, tel qu'indiqué. Je pense que la date du 22 janvier 2022, non, c'est cela la date du 22 janvier 2022 va rester mémorable au niveau donc de cette institution administrative portuaire. Et je note au passage que le CPR, le Club Perspective et Réalité, parti cher au député Émile de Vermoigny, est toujours en alerte. Ce parti mobilise, il est proche de la majorité présidentielle. Et c'est en décembre 2021 que ce parti politique mettait en place son bureau fédéral du Kouilou et de Pointe-Noire, justifiant ainsi son ancrage national. Le patriotisme, l'unité nationale, le bien-être social, telles sont les valeurs défendues par ce parti. Et les membres de ce parti se sont mobilisés pour réserver au chef de l'État et à son épouse un accueil chaleureux. Ils l'ont prouvé dès l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport de Pointe-Noire et dans les différentes cérémonies. Hier à l'inauguration de l'hôpital général de Patra, à Ngoyo, et aujourd'hui ici à l'inauguration du siège du port autonome de Pointe-Noire. Cet engagement témoigne du soutien de ce parti aux actions du chef de l'État et à son projet de société devenu le programme du gouvernement. Ensemble, poursuivons la marche. Alors, nous sommes avec nous sommes avec monsieur Eugène Bouya, DG de Guyotte. Nous sommes maintenant cagoulés, c'est normal. On a du temps pour dévisager son interlocuteur, mais c'est bel et bien monsieur Eugène Bouya, il est directeur général de Guyotte. Et voilà. Le guichet unique des opérations transfrontalières. Tout à fait, le guichet unique dans du port autonome de Pointe-Noire. Des opérations transfrontalières qui évoluent dans l'enceinte du port. Alors, dites-nous, quelle est votre réaction aujourd'hui, disons vos impressions au regard de ce joyau qui vient d'être érigé ici. Merci madame la directrice pour votre commentaire sur ce qui vient de se passer. Nous pensons que c'est un grand moment avec plein d'émotions parce que le port autonome de Pointe-Noire vient d'avoir un grand siège pour représenter la communauté portuaire en tant qu'autorité portuaire digne de cela en nous pensant que... Transmis en direct par la télévision congolaise Télé-Congo qui a mobilisé toutes les équipes, les équipes de la direction de programme, l'équipe de la direction de production, l'équipe de la direction de l'information, l'équipe de la direction technique, en tout cas tout le monde. Tout au moins, tous ceux qui ont été désignés pour couvrir les activités à Pointe-Noire sont là. La télédiffusion du Congo aussi. En tout cas, merci à Fefenga Kenyi et son équipe Sidonie Clarisse Bouya qui sont en train de nous présenter les plans variés. La musique en fait son nom, de Anjima Musica. C'est un orchestre de Pointe-Noire, en tout cas, un rythme. Sidonie Bouya va nous proposer le rythme de cet orchestre. Il y a un mouvement. Ouais, les gens sont en train de sortir. Les gens sont en train de sortir. Oui, le président
le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fini de visiter cet immeuble. En tout cas, nous sommes un peu éloignés. Oui, le président, avec la sortie du président de la République, Denis Sassou Nguesso, après avoir visité quelques compartiments de ce bâtiment, sort, salue le public, dépasse Denis Sassou Nguesso, accompagné d'Antoinette Sassou Nguesso et des hauts commis de l'État. Ils sont tous là. C'est une fierté nationale. Avoir un port en eau profonde, c'est une fierté nationale. Et ça nous amène au développement économique du pays. Le Congo étant pays de transit, nous l'avons dit et nous le répétons. C'est une chance pour le pays, c'est une chance pour l'Afrique centrale aussi, parce que les produits des autres pays, le président est là. En tout cas, tous ceux qui sont autour du président sont contents, tout le monde est content, parce que le pays vient de réaliser une œuvre gigantesque ici qui contribue au développement économique de notre pays. Plus de Béza, avec le plan national de développement qui vient d'être adopté, Denis Sassou Nguesso est là, fier d'avoir accompli une tâche gigantesque. Denis Sassou Nguesso, Brice Benza, Bibiane et toi, le président, la salue son peuple. De suffrage exprimé, et aujourd'hui il le prouve, les citoyens de Pointe-Noire, de par cette mobilisation que nous avons vue ici dans la capitale océane autour du couple présidentiel depuis le jeudi en fin d'après-midi à l'arrivée du couple présidentiel. Hier à l'hôpital général de Ngoyo, lors de l'inauguration de cet hôpital, et aujourd'hui encore à l'inauguration du nouveau siège du port autonome de Pointe-Noire. Voilà le président de la République qui est dans son commande-car pour saluer cette population, leur réitérer sa gratitude pour s'être mobilisé malgré le contexte restrictif de Covid-19. Mais le peuple a tenu à lui transmettre son adhésion totale à cette vaste politique. Et mesdames, messieurs, nous saluons le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame. Voilà, nous voyons Madame l'épouse du chef de l'État aux côtés de son époux. Elle est très fière, je pense, du gouvernement congolais, très fière du président de la République pour ses œuvres qui vont sensiblement améliorer le quotidien des Congolais. Parce que même à travers le port, c'est une manière de permettre à ces agents du port autonome de Pointe-Noire qui font un travail de fond pour le redressement de notre économie fortement impactée par la Covid, d'évoluer dans des conditions modernes, dans des conditions adaptées pour que
les résultats aussi soient atteints conformément justement au cadre de travail qui devient incitatif, attractif et qui permettra à ces agents de réaliser un travail compétitif. Edgar Mazila. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.